charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises ? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger, le conseil du séminaire d'Issy-les-Moulineaux, le conseil des missions étrangères de Paris et votre propre conseil ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Alexandre, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Alexandre pour l'ordre des diacres. Ensemble, nous manifestons notre joie en chantant la gloire de Dieu. Alexandre, fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Aussi, voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèle à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état, et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. À l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Alexandre, promettez-vous de vivre en communion avec moi, mes successeurs, et avec l'évêque auquel vous serez envoyé, dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, avec tous les saints et les saintes qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur Alexandre la grâce de sa bénédiction.
sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Oh, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nouveau, tu as établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà dans la première alliance. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Angelie.
Avant cela, je veux te dire qu'avec mes confrères, nous rendons grâce au Seigneur pour ta réponse à son appel. Et nous sommes heureux de te recevoir comme confrère en tant que diacre en vue du sacerdoce. Au nom de mes confrères, je remercie également Monseigneur Delannoy et le diocèse de Saint-Denis pour l'accueil et la formation d'Alexandre depuis de nombreuses années. Je remercie également le séminaire Saint-Sulpice. Et je vous remercie, Monseigneur, d'avoir accepté l'incardination d'Alexandre au sein du clergé de Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Ces liens tissés durant ces dernières années, Alexandre, il te fera les entretenir, donner des nouvelles, les faire fructifier. Tu n'oublieras pas les paroisses, Drancy, Montfermeil, la paroisse de Neuilly ici, et les autres personnes avec lesquelles tu as tissé des liens. Donc tu ne les oublieras pas. Elles ont fait l'homme que tu es aujourd'hui, en partie. Le missionnaire est un constructeur de ponts, tu ne l'oublieras pas. Cher Alexandre, dans le pays d'Asie, que tu reçois pour ta mission, se mêlent harmonieusement les valeurs traditionnelles et la modernité. De grands missionnaires y ont œuvré avant toi, et nos confrères là-bas t'attendent avec joie. Tu visiteras ces confrères, tu te mettras à leur écoute pour trouver les meilleures façons de t'intégrer à ce peuple. Il te faudra être patient et te souvenir toujours que le missionnaire n'évangélise, que s'il s'est lui-même laissé convertir par le Seigneur, en qui il puise quotidiennement sa force dans la prière et le sacrement. Cher Alexandre, tu te laisseras accueillir avec gratitude par ce peuple très solidaire. Tu trouveras aussi la voie pour développer tes talents et partager la parole de Dieu que tu aimes tant. Avec la discipline et les qualités de travail qu'on te connaît, qualités qu'apprécient particulièrement les gens du pays où tu vas être envoyé, tu apprendras leur langue, tu entreras dans leur histoire, leur tradition et leur culture. Cher Alexandre, réjouis-toi. La Société des Missions étrangères t'envoie en mission au Japon. Ça va être difficile de prendre la parole pour le mot de remerciement. Voilà, enfin, c'est... pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un amoureux du Japon depuis que je suis petit, donc c'est un rêve. Ah, cool. Ah, je vais dire plus de choses au Japon. Je vais essayer quand même de faire un gros mot de remerciement. Même si on a déjà rendu grâce à Dieu pendant la messe, bah, c'est vraiment le premier que je remercie. Donc c'est Dieu pour nous avoir réunis pour ce grand moment de joie. Voilà, donc je remercie aussi le Conseil des missions étrangères et tous les prêtres des missions étrangères qui m'ont encouragé tout au long de mon parcours.
remercier. Normalement, il devait y avoir l'audacité de Dominum pour que je reprenne mes esprits. Ok, non, c'est bon, je vais continuer. Donc, je remercie donc, ma famille, en premier ma mère, pour la foi chrétienne. J'avais normalement une petite blague, mais je peux pas la faire. Ah, ici, mon vidéo. Je vais quand même citer quelques noms là, de ceux qui m'ont aidé à préparer la célébration et la fête qui suit. Donc Catherine, Sœur Juliette, Guy, merci, hein, tu as été très patient pour nous ouvrir la chapelle pour qu'on prépare la chapelle avec Louis. Stéphane, l'orchestre des jeunes, Tanguy, tous les animateurs de chant, Juliette, les Sœurs Juliette et les autres sœurs malgaches. Merci à tous. On aurait tant échangé quand je me serais un peu remis de cette notion. Pour les annonces, je pense que c'est assez simple. En quittant l'église, il y aura un verre de l'amitié, donc nous pourrons échanger. Et on va aussi, comme l'évêque vous a dit au début de la célébration, par foyer, vous pouvez prendre un magazine, une revue des missions étrangères. C'est la dernière revue, il y a mon portrait et un petit paragraphe que j'ai écrit sur le diaconat. Donc prenez ça et on va vous distribuer aussi des cartes d'ordination avec la date, mon nom, etc. pour que vous puissiez continuer à prier pour moi, pour que vos prières m'accompagnent dans le ministère. Merci à tous d'avoir prié pour moi, de m'avoir soutenu. Pendant le séminaire, c'était pas facile. Hein. J'ai eu envie de quitter plusieurs fois et enfin, je ne regrette pas d'être allé. Pas jusqu'au bout, puisque j'ai encore 2 années de formation devant moi, au moins. Mais merci.